Bonjour, aujourd'hui nous allons vous proposer la recette d'un baume réparateur pour les petites blessures et les petites coupures. Au niveau des ingrédients, on a choisi un macérat huileux de calendula, de la cire d'abeille. Alors cette cire, en plus on a la chance, on a un ami, merci Jean-Luc, notre ami apiculteur qui a accepté de nous donner cette cire. Et merci à ses abeilles. Et la troisième, dans le troisième récipient, vous trouverez les huiles essentielles. Donc on a choisi l'huile essentielle de ciste, de lavande et de titri. Vous retrouverez dans l'article les propriétés de chacune de ces huiles essentielles. A tout de suite pour la préparation. Première étape, on a mis la cire dans l'huile de calendula. Et donc on va mettre tout ça au bain-marie pour faire fondre la cire. C'est parti. Et voilà, la cire est fondue. Donc on va pouvoir sortir l'huile et la cire. Y ajouter les huiles essentielles, bien mixer et mettre dans les pots. On laisse refroidir et la préparation va se figer sous l'action de la cire d'abeille. A tout de suite. Le baume a désormais pris. Comme vous pouvez le voir, vous avez un baume qui se tient, la cire a fait son effet et surtout on a un bel effet miroir. Allez, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours lorsque vous aurez utilisé ce baume et à très bientôt pour une nouvelle recette.